Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je dois remercier en premier lieu le développeur du jeu qui m'a fait passer la clé. En fait, lorsqu'il m'a envoyé Academia School Simulator, il m'a envoyé le DLC de Train Valley 2, mais j'avais pas le jeu original. Donc j'ai dit que j'étais désolé, que je pourrais pas faire de vidéo. Et il m'a dit, ah ben j'arrange tout ça, et il m'a envoyé la clé du jeu de base. Et je le remercie parce que vous allez voir que c'est un jeu que moi, il me plaît beaucoup. Il y a plusieurs mois, je vous ai présenté Trapper's Delight, qui était un jeu où on devait construire des trappes, des pièges dans une carte et permettre à notre personnage de traverser la carte, de récupérer des objectifs et de terminer la carte avec un objectif d'étoiles d'or, de temps, etc. etc. Et bien dans Train Valley 2, on est à peu près dans le même principe. Il n'y a pas de piège, mais on a des objectifs à réaliser. Alors déjà, je vais vous montrer un truc que je trouve très bien. On peut donc régler l'audio, la vidéo. On peut régler l'interface, la taille de l'interface. Et déjà, ce sont des choses que je trouve bien dans un petit jeu. Mais un petit jeu qui a beaucoup de potentiel, vous allez voir. Le jeu se déroule de la manière suivante. Nous avons 50 missions qui vont être courtes ou longues avec des niveaux d'étoiles à réaliser. J'ai déjà fait la première mission que je vais rejouer avec vous où j'ai eu 5 étoiles. Comment ça se passe? L'objectif de la mission est de faire la mission en 5, 7 ou 9 minutes. Si vous la faites en moins de 5 minutes, vous gagnez 3 étoiles. Si vous gagnez au moins 40 000 $, vous avez l'étoile de l'achèvement. Et si vous évitez les accidents de train, vous avez également l'étoile. Alors moi je mets en pause bien évidemment. Hein. Bonjour et bienvenue dans Train Valley 2. Alors je vais rejouer le tutoriel avec vous. Le problème du tutoriel c'est que il s'active avec le temps qui défile. Et donc pour passer les 5 minutes c'est enfer. Commençons par activer le mode voix. Donc soit vous cliquez sur le mode voix, soit vous appuyez sur R. Vous voyez, on passe dans un mode d'édition. Alors on peut zoomer ou dézoomer. Donc il va nous demander de connecter des voix. On clique sur un point bleu et on fait défiler. Mais comment tu fais pour te raccorder de l'autre côté? Eh bien, on se raccorde comme ça. Vous voyez, c'est le jeu qui vient automatiquement. Moi, j'essayais de faire ça, de me mettre ici et de le raccorder. Ça ne marche pas. Donc, on se raccorde. Je vais revenir en mode aiguillage. Je relance le jeu. Bon, pas grave. Je vais vous faire le tutoriel tout seul parce que, vous voyez, il met du temps. Bon, c'est pas grave. On a relié la ville à la Syrie. La Syrie produit des bûches, la ville produit de la main d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient cliquer là-dessus et on envoie un train avec deux ouvriers qui va partir à la Syrie. Voilà, relier la ville au chantier de découpe en tirant des sections de voie à partir de tuiles bleues. Si votre tracé ne vous convient pas, cliquez sur le bouton droit de la souris pour annuler la construction. Je vous montrerai. Voilà. Il vous sera toujours possible de supprimer des sections de voie grâce au mode de démolition. On peut avec le E, vous voyez, et c'est passé en vert. On va revenir au mode normal. Faites partir un train de 2 wagons de main d'œuvre en cliquant ici. Je l'ai fait. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut en envoyer un second, tant que le premier n'est pas sur la route. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Les quartiers des villes ont besoin de certaines ressources. Le quartier de la ville a besoin de 2 bûches et de 6 planches. Terminez toutes les tâches pour terminer le niveau. Vos bûches sont prêtes, livrez-les en ville. Donc on attend que le train soit arrivé, c'est fait, hop, on renvoie le train vers la ville. Vous pouvez arrêter un train en cliquant sur son icône. Vous pourrez ensuite le faire repartir ou lui faire faire demi-tour. On va le refaire partir et il transporte pour 4 000 $ de bûches.
Premier objectif a été atteint. La ville a maintenant besoin de planches. Construisons une scierie. Donc je construis la scierie et je renvoie un train vers ici. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu renvoies un train? Parce que mon train est chargé de 2, mais j'ai 4. Donc je peux avoir encore 2 autres personnes. La scierie a besoin de main d'œuvre et de bûches. Donc on va relier. Alors on peut partir d'ici ou de là. Vous allez voir ce que je fais moi. Voilà. Et on fait comme ça. Alors c'est le seul premier défaut du jeu. Vous allez voir, ce sont les aiguillages. Donc la scierie a besoin de main d'œuvre. J'ai 8 main d'œuvre. Donc dès que mon train a tourné, hop. Et je vais en envoyer 2 coups sur coup pour charger de main d'œuvre à 4. Pendant ce temps, je fais partir celui-là. Je peux acheter une deuxième locomotive, une troisième locomotive. Vous pouvez mettre le jeu en pause, machin et tout, on s'en fout. Voilà. Donc il faut être rapide, hein, parce qu'on a 5 minutes pour le faire. J'ai donc fait 2 voyages de bûches, de la scierie, de l'exploitation forestière à la scierie, et mon premier train de planche est terminé. Donc je renvoie le train de planche à la ville. Et vous voyez que j'ai 2 personnes plus 2 bûches pour le prochain train. Pendant ce temps, je vais produire mes bûches. Vu que je vais avoir besoin de 2 personnes pour faire mes 2 dernières planches. Voilà. Ils attendent les 2 bûches pour terminer. Et vous voyez, les aiguillages ont changé tout seul, donc il faut à chaque fois vérifier et repasser les aiguillages. Et je peux faire partir mes 2 derniers trains. Donc le premier qui était en attente des planches, et pendant ce temps, le dernier voyage de planches qui est en train de se faire. Voilà. Moins de 5 minutes, 40 000 de gagner et on a évité les accidents. Alors je bats pas mon meilleur temps puisque mon meilleur temps était de 4,18. Par contre je sais pas comment les gens ils font pour faire 3,31, mais bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Et donc ça va être ça tout le long. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des niveaux différents. Air industriel, air d'électricité, air de la mondialisation, air spatial. J'ai hâte d'être à ces niveaux-là en fait. Sachant qu'en plus on a eu un petit DLC. Voilà. Objectif. 7 minutes 30 pour avoir le maximum. Ne pas détruire pour plus de 5 000 $ d'objets. Aucun train ne doit arriver dans la mauvaise gare. Eh bien dites-moi. Alors. La ville a besoin de céréales, de bif. Donc céréales, bif.
Là, ça va pas être évident pour faire les lignes. Voilà. Quoi, il me met non? Ah, parce que j'ai plus de sous. D'accord. Bon. Vous ne pouvez placer des voies qu'en pente douce. Et puis de toute façon, j'avais que 3000, hein. Ça va être très difficile de construire, les amis. Et ouais. Ça, c'est de la gestion, hein, dans cette mission. Il n'y a pas de bouton pour augmenter la vitesse? Ah si, X. Alors. Je préfère mettre en pause, vous le savez, vous me connaissez. Voilà. Oh, ça va être juste. Oh, ça va être juste. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Il faut quand même continuer, hein. Même s'il n'en a plus forcément besoin, je préfère le faire. Est-ce qu'on a besoin de sous? Parce que là, ça va être... ça va coûter cher, hein, la construction. Surtout, on attend que le train soit arrivé. Alors. Ouais, c'est, de toute façon, c'est pareil, donc... Est-ce que c'est plus court ou pas? Voilà, vous voyez, j'ai 3 trains et à chaque fois qu'un train est arrivé, il est disponible, même si on peut en envoyer d'ici. Hein. Je sais pas si j'ai fait une bonne chose. Ah merde! Là, j'ai fait une boulette. Oui.
Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. Excellent. C'est excellent, les amis. Prendre des risques. Hein. Vous avez vu, on a le dénivelé. Hein. Eh oui. Obligé là. Et ben voilà, j'ai terminé. Plus qu'à attendre la production. Ah non, 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 j'ai pas fini. Il me manque du monde. Et oui, j'ai personne. Je l'ai oublié celui-là. Allez, plus vite hein. Mets le turbo. J'aime beaucoup cet aspect graphique, c'est un peu à la Rise of Industry. C'est vraiment très sympa. Voilà, maintenant il faut que j'attende la production. ...7:30, est-ce que je vais y arriver? Mais est-ce que je vais y arriver? Ah, déjà j'ai raté, vous voyez? Aucun train ne doit arriver dans la mauvaise gare. Et ouais, je l'ai raté celui-là, parce que j'ai envoyé mon train de... de blé à la gare centrale. Ah bon, ben je suis obligé de le refaire. Eh, c'est ça, ça va être ça en fait le jeu. On va vouloir obtenir les 5 étoiles à chaque fois. Voilà, j'ai les 7:30. C'est cool. Bam, 4 étoiles, c'est déjà bien. Voilà les amis, donc j'en arrête là pour aujourd'hui, pour cette première vidéo de Train Valley 2. Donc vous le voyez, il y a aussi énormément de possibilités avec le workshop de Steam. Des concours, des compétitions faites par les développeurs. C'est déjà un super truc, pouvoir jouer ensemble, etc. Et un premier DLC qui correspond aux passagers, voyez, le tourisme et l'urbanisation, avec encore 20 missions, donc ça fait une bonne durée de vie du jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Train Valley 2, amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt dans la suite, hein. Salut, bye bye.